bien mon invité, Lamine Wahab, un champion national. Lamine, bienvenue. Merci, merci. On peut avoir une petite synthèse sur la Coupe Davis? Ouais, bien sûr. C'était une Coupe Davis très disputée, avec une équipe qui était quand même favorite, puisqu'ils ont un joueur dans les 100 et un autre qui est 200e. Donc on savait dès le début que ça allait pas être facile. Mais bon, on a joué tous les matchs et ça s'est disputé sur quelques points. Et voilà, finalement c'est ça le sport. Mais bon, c'était une super expérience et on a pas de regrets puisqu'on a tout donné et c'est l'essentiel dans le sport. Un petit mot sur les copains qui étaient avec toi? Ouais, je pense qu'on avait une bonne ambiance. Pratiquement tout le monde a joué, a fait sa part, a donné 100%. Comme j'ai dit, ça s'est joué sur quelques points, sur certains matchs. Après, voilà, en face, ils ont mérité, ils ont cherché la victoire. C'est des joueurs qui jouent bien. Mais bon, je pense que pour notre part, on a fait ce qu'on pouvait. Et puis voilà. Lamine, la 35e édition. Trouvé à Saint-Denis. Ouais, bon, aujourd'hui c'est un nouveau jour, un nouveau tournoi. Content d'être ici. Voilà, il va falloir se concentrer, récupérer moralement du week-end. Aujourd'hui c'est un match difficile, mais bon, je me sens bien pour me donner à 100% et pour essayer de passer ce premier tour. Lamine contre Zverev? Lamine, ça serait super, ça serait un très bon match pour moi, ça serait une grande expérience. Je n'ai jamais joué, le meilleur joueur que j'ai joué, je pense qu'il était 11e, donc déjà se qualifier serait extraordinaire. Maintenant, jouer un top 5, c'est vrai que j'aimerais beaucoup, mais bon, aujourd'hui on en est loin. Le plus important, c'est de passer aujourd'hui et puis on verra. La mine sur la trace des trois mousquetaires? Ah, c'est une époque où on avait de très grands joueurs. C'est pas toujours évident de jouer à ce niveau-là. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup de tournois. Mais bon, maintenant... il faut redémarrer à zéro, la réalité est autre. Donc voilà, il va falloir travailler, avoir beaucoup de patience. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Et puis voilà. Lamine, quelque chose dans le cœur? Quelque chose dans le cœur? Je sais pas, de l'amour, de la passion pour le sport. Être heureux d'être en bonne santé. Et puis voilà, prendre du plaisir surtout. La dernière? La dernière, faire passer les qualifs et voilà, passer au tableau final. Voilà. Merci.